Par un tendre matin d'octobre, il y avait plusieurs personnes en costume du dimanche sur la terrasse des Romarins. Anglade, le sage, était assis sur le parapet entre Philoxène et Cabridan. Ses deux fils examinaient le cep énorme de la treille et discutaient en bégayant de son âge. Clarius, venu désombrer, regardait en hochant la tête les oliviers abandonnés. Enfin, devant la fenêtre ouverte, il y avait un groupe de trois Casimir, le forgeron, Eliassin de la tête rouge et Cabridan. Cela ne parlait pas. Il regardait avec beaucoup d'intérêt une étrange opération qui se déroulait dans la cuisine. Sur une chaise, pic Bouffig était assis, les yeux grands ouverts. Ange et le boulanger le tenaient sous les aisselles. Pamphile, debout, lui savonnait énergiquement le visage, tout en maniant le blaireau d'une main, tandis que l'autre tenait en l'air un rasoir grand ouvert. Le savonneur disait gaiement. Surtout ne bouge pas, couillon, je commence. Oh tu peux le couper, dit le boulanger de coup sûr, et ne saignera pas. Car Boufig était mort, mort depuis trois jours, mais on l'avait installé sur une chaise pour faire la dernière toilette, parce que Panfil s'était déclaré incapable de raser un client horizontal. Cependant, Hugolin et le papé, eux aussi en costume des dimanches, feignait de se promener dans le vallon en attendant le départ de l'enterrement. De temps en temps, Hugolin se baissait, arrachait une plante, puis examinait la motte qui venait avec la racine. Cette terre était brune, et rayée de noir par l'humus qu'elle devait à sa longue jachère. Le papé en prit une pincée, qu'il écrasa entre ses doigts, et qu'il flaira longuement. Hugolin en mit quelques grains sur sa langue, et les sussauta comme pour apprécier un vin. Puis ils s'engagèrent dans les hautes broussailles sur le coteau et montèrent jusqu'en haut de la pente qui s'arrêtait devant un petit tapis de roches blanches. En réalité, ils s'étaient peu à peu approchés de la source après quelques détours de promeneurs. Et il venait d'y arriver. Il y avait là le tronc d'un vieux figuier hérissé de quelques branches mortes, mais entouré de rejetons verdoyants. Tout en pointant l'index vers le coteau d'en face, qu'il feignait de regarder tous les deux. C'est juste ici, dit le papé. Au pied du figuier, il y avait comme un petit puits. Tout juste assez gros pour un homme, et pas plus profond que ma hauteur. Il n'était pas bâti, c'était un demi rond de terre d'un côté, et de l'autre le rocher. Et dans le rocher, presque au fond, il y avait un trou, tout rond, comme une pièce de cinq francs. C'est par là que la source arrivait. Mais elle ne montait pas jusqu'au bord du puits. Il fallait la tirer avec un seau. Qu'à moins le gros qui n'était pas bête a vu que le niveau de l'eau était un peu plus haut que son champ, alors il a creusé une petite tranchée. Au fond, avec des briques et des tuiles, il avait fait une espèce de rigole qui allait jusqu'au bord du champ. Et puis, il avait bien rebouché la tranchée, il avait couvert le puits. Ça fait que l'eau arrivait toute seule jusqu'en bas. Tout en parlant, à travers les genêts épineux et les cystes, ils étaient descendus jusqu'à une touffe de roseaux qui émergeait de la broussaille. C'est là que la rigole débouchait, dit le papé. Au pied des roseaux, il y avait quelques agents. Ils sortaient d'une plaque de mousse. Les yeux levés au ciel, comme s'ils s'intéressaient à la buse qui tournait là-haut, le papé murmura Regarde autour de mon pied. Ça gicle. L'eau est empêchée, mais elle est là il n'y aurait pas grand-chose à faire. Hugolin marcha à son tour sur la mousse, et son gros soulier fit jaillir des éclaboussures. Quand je pense qu'il a laissé perdre cette fortune, dit il, je suis bien content de lui avoir cassé la gueule. Il n'avait pas tué qu'un homme, c'était un double assassin. Dans la ferme, quatre hommes venaient de déposer Pique Boufique dans un cercueil. Son visage était si propre. Qu'il en était méconnaissable, et prouvait clairement que sa dernière toilette avait été la première. Comme le menuisier allait poser le couvercle sur la longue boîte, le forgeron intervint. Attendez Un jour, à la chasse, je l'ai rencontré, et nous avons cassé la croûte ensemble. C'était bien avant qu'il devienne fada. Alors il m'a fait voir son émerlès. Il m'a dit Ça, c'est mon seul ami, et je veux qu'on enterre avec moi. Ce serait bête, dit le boulanger, de gaspiller un aussi beau fusil. Et puis là-haut, qu'est-ce qu'il en ferait? dit pamphile Il pourrait peut-être pas se retenir de tirer un ange au vol, et ça n'arrangerait pas ses papiers. Allez, dit le forgeron, plein de plaisanterie en ce moment. Moi, je dis qu'il faut lui mettre le nez Merles, parce que la volonté d'un mort, c'est sacré. Il prit la belle arme et la fit passer sous le bras droit du cadavre, le canon reposant sur l'épaule. Pique eut l'air de partir monter la garde à la porte du paradis. C'est pendant que Pamphile vissait le couvercle que Monsieur le curé arriva, précédé et accompagné de ses enfants de chœur. Le cortège s'organisa derrière le cercueil, que six hommes portaient sur leurs épaules. Tout le long des genêts en fleurs sous le mélancolique soleil d'octobre, Pique Bouffig partit pour son dernier voyage, suivi par une trentaine de paysans. Quand le cercueil franchit le col, et qu'on découvrit le village. On entendit sonner le glas sur la petite cloche des bastides. C'est à ce moment que Philoxène demanda au boulanger t'as regardé si le fusil était chargé. Non, j'ai pas pensé. Avec un émerlette, ça ne voit pas. Mais Eliacine s'écria. De tout sûr, il est chargé, et avec des chevrotines. Quand il rentrait à la maison, toujours il le chargeait avec des chevrotines à cause du sanglier qui venait quelquefois la nuit. Ça, dit le papé, ça pourrait être dangereux. Surtout, dit le forgeron, s'il avait limé la gâchette pour qu'elle soit plus sensible. Il disait qu'un coup de vent, ça suffirait pour le faire partir. Cette révélation courut le long du cortège. Philoxène, qui marchait derrière le curé, se retourna pour dire ⁇ Il y a peut-être le cran du sûreté Ça m'étonnerait, dit le forgeron. Il y eut un peu de flottement dans les rangs. Derrière la planche de sapin, le canon de Nemerle s'était braqué sur eux, juste à la hauteur des visages. En quelques pas, le cortège se sépara en deux files, qui laissaient entre elles un assez large espace pour le libre passage des chevrotines. Après leur traversée de la tête de M. le curé, ce saint homme qui ne risquait rien de pire que le paradis, Au cimetière, le papé fut grave et digne, mais il dut plusieurs fois pincer le bras d'Hugolin, qui souriait sans le savoir et qui chantonnait. Après les funérailles, il y eut comme d'habitude une réunion au cercle, où l'on but un peu de vin blanc à la mémoire du défunt. Hugolin et le papé pavardèrent avec le père Anglade. Alors, dit le papé, c'est toi qui hérites Oh non, dit Anglade, nous étions cousins, mais d'un peu loin. C'est-à-dire que... La mère de son père était la bonne cousine de mon grand-père. C'était une fille anglade. Par conséquent, tu dois avoir quelque chose. Non, c'est sa sœur qui aura tout. Nous aussi, on est parents, dit Casimir. Camoin le Borgne, le père de Camoin le Gros, qui était le père de Florette et de Pic Boufig, il avait épousé la sœur de mon grand-père. C'est ça qu'on est un peu de même sang. Mais naturellement, c'est Florette qui hérite. Le papé, qui bourrait sa pipe, ne leva pas les yeux, mais il demanda. Vous croyez qu'elle est encore vivante? Pourquoi pas? dit Anglade. Elle est plus jeune que toi. Je sais que son mari est mort. C'est quelqu'un qui le disait à la foire d'Aubagne, il y a cinq ou six ans. Mais elle, je crois pas. Les femmes, ça a de la vie dure. Et qui c'est cette femme? demanda Hugolin. Une que ton papé a bien connue. Pas vrai, César? Le papet fouillait ses poches, à la recherche de ses allumettes. Anglade reprit presque à mi-voix. C'était Florette de Bérangère, Florette Camoin, la jolie. Et où est-elle? dit Hugolin. Le papet finit d'allumer sa pipe et répondit à Crespin, parce qu'elle avait épousé Lionel, le maréchal ferrant de Crespin. Philoxène, qui versait le vin blanc à une table voisine, tourna la tête vers le papet. Et demanda sur un ton presque menaçant Qui c'est qui parle de Crespin Crespin était un très gros village qui possédait de vastes terrains communaux contigus à ceux des Bastides. Dans une page du grand Anatole France, on demande à un ministre. Pourquoi vous battez-vous si souvent contre vos voisins Le ministre, très étonné, répond Avec qui voulez-vous que nous nous battions Crespin était donc l'ennemi héréditaire, et pour toutes sortes de raisons. Cela venait naturellement de très loin, et peut-être, selon Philoxène, du temps des Romains. Le premier sujet de querelle avait toujours été la chasse, c'est-à-dire le braconnage, qui fournissait gratuitement une bonne part de l'alimentation. Or, ceux de Crespin, avec une rare impudence, étaient jadis venus tendre leurs pièges dans les collines des Bastides. Après bon nombre de rixes, ceux des Bastides avaient pris la grosse colère. Ils organisèrent une surveillance constante par une douzaine de guetteurs, qui étaient des femmes et des enfants, et tout Crespinois signalé pris en chasse par quatre ou cinq vigoureux gaillards, était renvoyé à sa famille avec un visage méconnaissable. Alors, un de Crespin, qui était député, fit nommer un autre Crespinois qui revenait du service militaire au grade de brigadier de gendarmerie à Aubagne. Celui-ci, qui avait été rossé par les Bastidiens dans sa jeunesse, ne quitta plus les collines des Bastides. En moins de six mois, il dressa trois procès-verbaux mais il ne put faire le quatrième parce qu'un jour on le trouva pendu à un sorbier près de la baume des ratés pénades et qu'on ne sut jamais qui avait fait le coup. Pour le venger, ceux de Crespin avaient mis le feu à la grande pinède du Pas du Loup, le premier jour d'un beau mistral, et il avait fallu trente ans pour refaire cette forêt. Cependant, la guerre des braconniers s'était calmée au cours des années car Crespin avait connu la prospérité grâce à la découverte d'une mine de lignite et à un petit canal d'irrigation creusé par les soins du gouvernement. Un lapin aussi grive n'avait plus pour eux une aussi grande importance alimentaire. Alors, et ça prouve leur méchanceté, ils avaient trouvé autre chose. Quand ils voyaient arriver un mauvais nuage, ils tiraient des coups de canon, et la grêle, qu'ils avaient certainement méritée, puisque le bon Dieu la leur envoyait, venait ravager les maigres vignes des Bastides. Enfin, il y avait la grave question de la mouche. Ceux de Crespin n'avaient plus beaucoup d'oliviers, ils en avaient sacrifié des centaines, autre crime, pour planter des vignes, et ne soignaient plus ceux qui leur restaient. Alors, la mouche de l'olive s'y mettait, et si par malheur, au moment des fleurs, soufflait le vent d'Est, elle venait jusqu'aux Bastides, et la moitié de la récolte était perdue. Il y avait une liste interminable de griefs réels, mais grossis et complétés par les racontards transmis de père en fils. Ceux de Crespin avaient aussi leur liste, et disaient couramment que ceux des Bastides appartenaient à une race quasi préhistorique, composée en majorité d'idiots, d'aliénés et d'assassins. En réalité, ils se ressemblaient comme des frères, et sous des dehors de bonne humeur et de jovialité provençale, ils étaient pareillement jaloux, méfiants et secrets. Nous parlons de Crispin, dit Anglade, parce que nous parlons du mariage de Florette. »« Tu étais, toi Bien sûr, je revenais du service militaire, il y a presque quarante ans de ça. Et moi, dit le papé, j'étais bien loin d'ici. J'étais à l'hôpital militaire, en Afrique. Je suis revenu presque un an d'après. Mais mon père m'avait raconté la bataille. Quelle bataille demanda le géant Ilyacine qui s'était approchée. La bataille du mariage. Les jeunes formèrent le cercle, le verre en main et Anglade par là. Florette camois C'était la merveille du pays. Un peu fière mais vraiment belle. Un soir, elle est allée à la fête de la Valentine avec d'autres filles d'ici. Et là, elle a dansé avec ce lionel qui était grand et fort, avec de belles moustaches noires. Ils se sont plus du premier coup. Et peut-être dix jours plus tard, à la fin de la messe, monsieur le curé a annoncé le mariage. Ça a fait comme une dynamite. Et le père et la mère de Florette baissaient la tête. Ils se faisaient bien petits. Mais elle, qui était au premier rang, s'était retournée et elle a mis les poings sur les hanches et elle a regardé tout le monde bien en face. Alors, monsieur le curé s'est mis à parler de l'oubli des injures. Et il a dit que ce mariage, c'était le bon Dieu qu'il avait voulu pour nous donner l'occasion de faire la paix. Que déjà M. le curé de Crespin avait promis de faire tirer le canon de la graine tout à fait de l'autre côté. Et que comme ça, la grêle irait tomber sur Roquevert. Et puis il a dit que ceux de Crespin, c'étaient nos frères. Aimez-vous les uns les autres et pas coup Coufin. Bref, ils sont venus au moins trente pour la noce avec le curé en tête. Le nôtre est allé à la rencontre et se sont embrassés. Après, il a béni ceux de Crespin, et puis celui de Crespin nous a tous bénis. Et puis, à la messe du mariage, ils ont prêché tous les deux. Mes amis, tout le monde pleurait. Pourquoi demanda Hugolin. Bah parce que c'était beau cria Philoxène. Moi, j'avais sept ou huit ans, je me rappelle qu'à la sortie de la messe, tout le monde se serrait les deux mains. Moi, une dame de Crespin, très bien habillée, m'a embrassée, elle m'a dit. Vive les Bastide, où on fait de si beaux enfants Oh, Philoxène, dit le menuisier, tu es sûr que c'était toi? Anglade reprit. Ceux de Crispin disaient que tout ce qui est arrivé, c'était de leur faute, et nous, on disait que c'était de la nôtre. À la fin, on s'est tous mis d'accord que nous avions été aussi bêtes les uns que les autres, et tout ça, ça allait très bien. On nous avait mis par père, un garçon de là-bas avec une fille de chez nous, et vice-versa. On a commencé un grand banquet sur la place, où frais des Camoins le Gros, le père de la mariée. Il y avait six jambons énormes, au moins trente gigots, cinquante poulets de grains, bien bourrés de pèbres d'ail et rôtis au sarment. À l'énoncé de ce menu, le géant Eliassine, les babines retroussées et le nez plissé, ouvrait de très petits yeux noirs et ne respirait plus. Anglade continuait. Ceux de Crispin avaient voulu apporter leur vin, deux barriques de cent vingt-cinq litres. Il était joli à voir, mais peu cher, un peu trop léger. » Ça fait qu'on le buvait comme de l'eau. Alors le vieux Médéric, qui avait la tête assez faible, l'a demandé, très gentiment et même poliment, comment il faisait pour fabriquer une aussi bonne piquette. Du coup, une femme de Crespin a dit que nos poulets de grains, elle avait cru que c'était des étourneaux. Chacun a voulu dire la sienne. Enfin, d'une parole à l'autre, il y en a qui se sont montés et se battre sur la table. La table s'est effondrée et c'est reparti aussi vite que le feu dans un grand jonc. Moi, dit Philoxène, j'étais grimpé dans l'Acacia avec Casimir, on a tout vu. On s'est régalé, dit Casimir, les femmes se graffiniaient, les hommes se roulaient par terre, tout le monde criait, et pas un seul coup de pied au culte perdu. Et les deux curés qui essayaient de les séparer, dit Anglade, ils auraient mieux fait de ne pas s'en mêler. Le nôtre, un crispinois l'a endormi d'un grand coup de jambon sur la tonsure, et le leur, il avait reçu une chaise volante. Sa tête avait passé entre les barreaux. Il n'arrivait plus à la sortir. Moi, j'avais presque fini d'étrangler un grand borgne, tout frisé. Je le lâche, je lui dis « T'as compris Fous le camp, sauvage !» Il reprend sa respiration et il me tire un coup de savate dans l'estomac qui me fait remonter la piquette jusque dans le nez. Je pleurais comme un désespoir. J'y voyais plus rien. Je me suis vite caché derrière la cassia, à tousser, à cracher, à m'essuyer les yeux. Et la dernière chose que j'ai vue, c'était la carriole du père Camoin qui emportait les mariés au grand galop. Et alors, depuis ce jour, ceux de Crespin, c'est bien plus pire qu'avant. Et Florette, à ce qu'il paraît, que dans un rien de temps, il est devenu plus Crespinoir que Crespin. Avec le caractère qu'elle avait, dit le papé, ça n'a pas dû la changer beaucoup. Moi, dit Philoxène, je lui ai écrit officiellement pour lui annoncer la mort de son frère. Mais elle ne recevra ma lettre que demain matin. Si elle est vivante, elle va peut-être venir pour l'héritage. — C'est vrai qu'elle hérite, dit le boulanger. Hugolin regarda le papier qui faisait une moue méprisante. — Elle hérite de pas grand-chose, dit-il. — Je ne suis pas de ton avis, dit Anglade. Les romarins, ça semble que ça ne vaut rien, parce que Pique-Boufigue, il n'y a jamais rien fait. Mais d'abord, sa maison, elle doit être encore bonne. » Quelques petites réparations, un peu de peinture, ce serait pas vilain. Et puis, cinquante oliviers d'avant la guerre de septembre. Ils sont bien malades, dit Hugolin. Ils sont partis en misère. Si on leur court après avec une pioche à la main, on peut encore les rattraper. Il ben, faudrait courir aussi vite, hein, et avec une grosse pioche. Une trentaine d'amandiers, poursuivit Anglade, et deux hectares de bonne terre. Presque tout à plat sur le fond du vallon. Ouais, dit le boulanger, mais c'est un endroit que la pluie ne veut pas connaître. Nous, nous avons un petit champ là-haut, un peu plus loin que les romarins. On ne l'a jamais cultivé à cause de ça. Les orages, on les entend venir, on les voit s'approcher, mais dès que les nuages frappent sur la pointe du Saint-Esprit, ça les coupe en deux, et l'eau va tomber sur l'autre versant des deux collines. Il en reste à peine quatre gouttes pour le vallon. Ça, c'est possible, dit Anglade. Seulement... Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que chez pic Boufigue, il y a une source. Hugolin déjà trois fois. Il y avait une source, dit Papé. Une petite source. Moi, dit Anglade, je l'ai vue. Elle était très belle, puisqu'elle faisait un petit ruisseau, large comme la main d'un homme. « Moi, je l'ai vu quand j'étais petit, à la chasse avec mon père, » dit Pamphile. « Ça m'avait semblé un vrai ruisseau. »« Tu devais être bien petit, » dit le papé. « Et c'était sûrement après un orage, parce que moi, j'y ai bu, il y a peut-être quarante euh, ans. Ça coulait gros comme mon doigt. Mais depuis, elle s'est perdue. »« Tu crois que ça peut se perdre, une source comme ça ?»« J'y ai jeté un coup d'œil ce matin, » répliqua le papé. C'était sec comme de l'amadou. La vérité, c'est que ce fainéant de pique boufigue, il ne s'en est pas occupé, elle est bouchée, et alors elle fit un passage en dessous. Elle a plongé, va savoir jusqu'où. Et si on faisait un puits? dit Casimir. Tu perdrais ton temps, dit le papé. Cette eau, elle devait venir de la profondeur. Quand les saletés l'ont empêchée de remonter, elle s'est fait son passage dans la profondeur, peut-être euh, à trente mètres. « Peut-être à cent mètres. Je le connais, moi, le caractère des sources. »« C'est comme une belle fille. Quand on les oublie, elles s'en vont et c'est fini. »« Pourtant, » dit le boulanger, « l'année dernière, en passant sous la barre sur le coteau, j'ai vu un figuier. »« Ça prouve qu'il y a de l'eau pas loin. »« Ça prouve qu'il y en a eu, » dit le papé. « Un figuier, une fois qu'il est bien parti, il n'a plus besoin de rien. »« Celui-là, il a au moins cent ans. » Pourtant, dit Philoxène, puisqu'il fait des rejetons, le papé, la voix dure, lui coupa la parole. Toi, quand tu parles des apéritifs, je t'écoute, mais les sources, c'est pas ton métier. Le Pernot, ça ne vient pas d'une source. Moi, je dis que celle-là, on ne le reverra jamais. Je dis que ces oliviers sont perdus, que cette terre est pourrie de chiens dents, et que le peu qu'on y fera pousser. Les lapins, les blaireaux et les sauterelles n'en laisseront rien du tout. Il faudrait défoncer au moins quatre-vingts, faire une clôture de quinze mille francs de grillage, et après on pourrait ramasser quatre pommes d'amour, trente pommes de terre et cinquante kilos de pois chiches. Et pour les porter au marché, il faudrait refaire deux kilomètres de route. C'est la vérité, dit Eugolin. Moi, si on me la donnait pour rien, je n'en voudrais pas. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.